Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Cheikh Aboubacar Tiéma de Baron Company. Dans cette vidéo, je vous montre comment accéder à son cours sur la plateforme SatDemy. C'est-à-dire que vous avez déjà effectué le paiement et vous voulez pouvoir accéder à votre cours. Vous ne savez pas comment faire. Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment vous allez pouvoir accéder à votre cours. Alors, je suppose que vous avez déjà effectué le paiement, bien évidemment. Donc, vous arrivez sur votre navigateur, vous ouvrez votre navigateur, vous allez taper dans la barre de recherche satdemy.com. Satdemy.com, vous voyez, satdemy.com. Alors, je clique dessus. Alors, je suis sur la page d'accueil de la plateforme satdemy.com. Donc, pour accéder à votre cours, la première étape, c'est de vous connecter à la plateforme. Là, moi, je ne suis pas connecté, donc je vais cliquer pour me connecter. Je clique dessus, connexion ici, connexion. Alors, j'espère que vous avez vu connexion. Alors là, je vais taper mon identifiant et mon mot de passe. L'identifiant, c'est généralement votre adresse email. Alors moi, c'est ça, mon adresse email. Ensuite, je mets le mot de passe. Le mot de passe, c'est un mot de passe très simple. C'est mon numéro WhatsApp. Alors, c'est OK. Maintenant, vous pouvez également utiliser Google pour vous connecter. Si vous connectez le mot de passe de votre compte Google, vous pouvez cliquer dessus pour vous connecter en un clic. Là maintenant, vous allez aussi cocher cette case-là. Si toutefois vous voulez rester connecté, c'est-à-dire que vous ne voulez pas à chaque fois venir mettre le mot de passe, mettre l'identifiant et le mot de passe pour vous connecter à chaque fois. Donc, vous cochez ça pour rester connecté. Si vous ne voulez pas aussi, vous pouvez décocher. Mais à chaque fois, vous serez obligé, pardon, de mettre l'identifiant et le mot de passe. Alors, vous allez cliquer maintenant sur « S'identifier » pour vous connecter. Alors là, je suis connecté. Pour savoir si vous êtes connecté, vous allez voir ici. Avant, c'était « S'enregistrer ». Maintenant, c'est « Profil ». Donc, ça veut dire que vous êtes connecté. Là, vous voyez encore « Déconnexion » alors qu'avant, c'était « Connexion ». Donc, vous cliquez sur « Profil ». Alors, vous êtes sur votre profil actuellement. Vous défilez vers le bas. Vous allez voir le cours ici, e-commerce Chine BF. Vous cliquez sur le cours. Si ce n'est pas ce cours aussi que vous avez acheté, vous allez voir votre cours ici. Si vous avez acheté par exemple la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, ou vendeur 3.0, ou encore gestion commerciale à l'aide des micro-entreprises, vous allez voir votre formation ici. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur votre formation. Là, moi, c'est la formation e-commerce Chine BF que j'ai acheté. Donc naturellement, c'est ce que je vois. Vous allez voir également la formation que vous avez achetée. Alors là, vous arrivez sur la page du cours. Une fois sur la page du cours, vous allez cliquer maintenant sur le bouton poursuivre pour maintenant aller maintenant dans le cours en question. Enfin, ça, c'est la page du cours, mais il faut cliquer sur le bouton poursuivre pour démarrer votre formation. Là, vous êtes sur la première page de la formation. Donc, pour suivre la première vidéo, vous allez tout simplement cliquer ici pour suivre la première vidéo très simplement. Maintenant, si vous terminez cette leçon, ce n'est pas une leçon en tant que telle, c'est juste une leçon pour vous montrer comment la plateforme fonctionne très rapidement en quelques minutes. Maintenant, si vous terminez cette vidéo, cette leçon, vous allez cliquer sur le bouton « Terminer ». Parce que ça va vous permettre de suivre la progression du cours. Parce que si vous revenez prochainement, vous allez voir que c'est marqué sur ce cours « Terminer ». Alors, vous cliquez sur le bouton « Terminer ». Alors, on dit « Voulez-vous terminer la leçon prise en main ?» Dites « Oui » et vous cliquez dessus sur « Oui ». Très simplement. Alors là, vous êtes sur la prochaine leçon. Maintenant, j'attire votre attention vers cette mention-là. On dit « Félicitations, vous avez terminé ». La plupart des participants pensent que c'est cette leçon qu'ils viennent de terminer, alors que c'est la leçon précédente qu'ils viennent de terminer. Par exemple, on peut essayer de répartir sur la leçon précédente. Je peux cliquer ici. Voici la leçon ici. Prise en main, SatDemy. Je suis réparti sur la leçon. Vous voyez que ici, ils ont marqué, vous avez terminé cette leçon le 16 juin à 18h22. Vous voyez. Donc, si vous cliquez sur le bouton terminer, vous ne faites plus rien. Donc, si on répare sur la leçon, on voit que c'est écrit, félicitations, vous avez terminé, mais pas pour cette leçon, mais pour la leçon précédente. Pour savoir que ce n'est pas cette leçon, vous allez voir que le titre a changé. Là, on peut essayer aussi de cliquer sur « Terminer ». Vous avez vu, c'est « Programme de la formation ». Si on clique « Oui », automatiquement, on va être redirigé vers une nouvelle leçon.
Donc, vous n'avez plus besoin de cliquer sur suivant. Ok, on est sur une nouvelle leçon à nouveau. Donc, si on repart sur la leçon précédente qui était programme de la formation, vous voyez qu'ici même c'est coché en vert. Ici, c'est pas en vert, ici c'est en gris. Voilà. Donc, je clique sur programme de la formation. Donc, vous voyez que c'est vraiment très simple pour accéder au cours après inscription. Donc, surtout regardez la première vidéo qui vous montre comment fonctionne la plateforme. Donc, c'est très simple. Si vous voulez suivre votre cours, vous avez acheté une formation, vous voulez accéder à votre cours, il faut tout simplement vous rendre au niveau de profil. Même si vous avez acheté 10 formations, toutes les 10 formations seront listées ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si toutefois vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.